Donc PSM Chauffage représenté ici par mon ami Franck Herman. Merci Franck. Ouais. Le restaurant Ernest représenté par mon ami. Les joueurs qui sont également joueurs de l'UFC Saint-Martin, du FC Grandlieu, enfin bon, un super joueur, un super gardien, Anthony Aubin. Voilà, on peut l'applaudir, Anthony. Okay. Et avec notre coach Anthony Blin, qui nous a fait monter cette année en S3. Voilà, qui est très souriant. Si on n'est pas capable de gagner aujourd'hui, ouais, l'intérêt, les gars, obligatoire. Par là aussi, par là. C'est une année exceptionnelle avec un temps merveilleux comme aujourd'hui et puis ce match où l'on gagne pour le dernier match de championnat pour la A et qui passe donc en régional, on peut que se satisfaire. On est content de l'ensemble des résultats sur la B, sur la C aussi qui va donc en coupe de district samedi prochain à Saint-André-des-Eaux. Je vous invite à y venir nombreux et voilà, j'espère que là aussi on va gagner ce match tant à temps. Mais il ne faut pas oublier toutes nos autres équipes derrière, les plus jeunes, qui dans l'ensemble, on peut se satisfaire des résultats qu'ils ont faits et puis la cohésion qu'il y a sur les matchs et tout ça. Merci à Anthony, merci aussi à Max, qui ont fait un bon boulot tout au courant de toute cette année-là. C'est un pur bonheur déjà, et puis bon, on arrive à la cinquième année de fusion, donc c'est important, on a eu deux années de galère, deux années de Covid, là on arrive vraiment à faire une saison pleine, une montée bien sûr grâce aux entraîneurs, grâce aux bénévoles aussi, aux éducateurs qui sont derrière nous, et tous les bénévoles qui au bar, à tout ce qu'ils font, la commission, donc c'est vraiment un pur bonheur et je pense que c'est la victoire du club avant tout. Écoute, c'est que du bonheur, c'est l'aboutissement de toute une saison et je dirais même plus que c'est l'aboutissement de... Ça fait 4 ans de travail là depuis que
qu'Anthony a repris, la catégorie senior. Et puis il y a tout un projet qui s'est mis en place là depuis la fusion. Mais ça fait 4 années vraiment, on essaie vraiment de travailler sur un ensemble. Et je pense que l'R3, c'est le début d'une nouvelle page qui sont pour le club. Et on est dans la continuité de tout ce qu'on essaie de mettre en place depuis ces 4 années. Alors Eric, quelle sensation après cette saison et puis la montée au bout quoi ? Très content, on a fait une bonne saison, c'est l'aboutissement de tous les entraînements qu'on a fait et puis la récompense, maintenant on va faire la fête avec tout le monde d'abord. Et puis maintenant il n'y a plus qu'à fêter la montée. On va avoir vécu déjà une montée quand j'étais à l'US France-Saint-Martin. C'est toujours des moments un peu spéciaux, de grand joie, de grand bonheur. Et... Ouais, aujourd'hui, j'ai une petite pensée pour les bénévoles, tous les bénévoles, parce que les joueurs, ils forcément sont contents. Je crois qu'il y a tous les bénévoles du club qui sont aussi à féliciter, parce que c'est des soirées, on se mène des soirées, des dimanches à passer au bord du stade, à s'occuper de l'organisation. Et j'ai une pensée pour eux, parce qu'ils sont tous très contents, les bénévoles. Et on va faire une super fête. C'est un peu un aboutissement, c'est bien. Le Covid nous a pas aidés sur les deux dernières années. Là, c'est ce que j'ai dit au groupe à la fin, Anto m'a demandé de dire un petit mot. On a tellement de qualité, c'est plutôt presque normal, on va dire. La montée est faite depuis le début mars. On a un groupe senior riche, A, B et C. Et comme j'ai dit aux gars, je pense que c'est pas une finalité. Je pense que j'ai dû faire de très belles choses au niveau supérieur. Je suis content pour le coup aussi, pour les jeunes. Je suis fier des garçons, fier d'être le coach du FC Grandlieu aujourd'hui avec des mecs qui ont un état d'esprit incroyable, qui travaillent pour le collectif, même si le match aujourd'hui on savait déjà qu'on montait, ça nous tenait à cœur de bien finir l'année, de bien finir la saison, de finir devant nos supporters avec tout ce qu'ils ont mis en place, le club, l'entrée des joueurs avec les enfants, les fumigènes, la musique, tout ça, ce qui est prévu après. On devait rendre une bonne copie quoi, sur le terrain pour que les supporters soient heureux, contents et qu'on puisse faire la fête tous ensemble. Ça fait 4 ans qu'on travaille dur pour ça. On a eu 2 années de Covid qui nous ont... un petit peu retardé dans notre échéance, mais le principal aujourd'hui c'est la montée, c'était l'objectif. J'ai eu un petit discours à la fin dans le vestiaire, comme quoi j'étais fier des gars, parce qu'ils ont une super mentalité, c'est tout ce que je recherche dans un club. Donc moi je suis heureux ici, je suis heureux au club, je suis heureux de ce qu'on produit. Donc maintenant il faut continuer, c'est qu'un premier pas. Hâte de voir ce niveau R3, même si 80% des joueurs le connaissent déjà. Et puis voir ce qu'on peut donner à ce niveau-là. Quoi. Et puis,